priori, je devrais recevoir un colis plutôt excitant aujourd'hui, entre 11h15 et 15h15. C'est plutôt cool. On va voir ça tout à l'heure en croisée d'œufs pour que ça arrive aujourd'hui ou demain. En tout cas, il y a marqué que je vais être livrée aujourd'hui, donc a priori, c'est que c'est pour aujourd'hui. Et c'est plutôt excitant, j'ai trop hâte de découvrir ce colis parce que j'ai travaillé dessus le mois dernier et ensuite il a fallu créer le tout et du coup j'avais pas encore pu voir ce à quoi ça ressemblait en vrai, donc j'espère que ça va rendre bien parce que c'est jamais évident de créer quelque chose et de commander quelque chose sans voir le résultat de tes propres yeux, tu vois. Je croise les doigts pour que ça rende hyper bien et puis on verra ça tout à l'heure de toute manière, mais aujourd'hui nous sommes le 24 mars. Pff, le temps passe tellement vite. Donc on est le 24 mars, on est mercredi et cette semaine je suis en train de travailler sur mes boîtes à papeterie. Donc ça fait longtemps hein, que je les ai lancées, au début du mois. J'ai l'impression que je parle quasiment que de ça en ce moment, mais c'est parce que je suis en train de faire ça concrètement tous les jours. Donc je suis en train de créer tous les bloc-notes, tous les carnets et les illustrations et les marque-pages. Pour l'instant j'ai fait 17 bloc-notes. J'avais fait ça la semaine dernière, j'avais vraiment bien avancé, depuis j'en ai pas refait d'autres, donc je pense qu'aujourd'hui j'aimerais bien en refaire, enfin essayer d'avancer un peu. Et j'ai fait 5 carnets je crois, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 5 carnets, donc bref. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup avancer sur les carnets. J'aimerais bien en faire, on va dire 7. Mais je pense que je peux faire un peu plus. Ça dépend en fait. Ça dépend parce que j'aimerais bien aussi avancer et augmenter mon stock de bloc-notes. En fait, en tout, il faut que je fasse 26 bloc-notes, 26 carnets, 26 marque-pages et 26 illustrations. Donc pour ce qui est des illustrations et des marque-pages, c'est vraiment simple, il suffit juste de les imprimer et de les découper, donc ça prend du temps mais c'est une tâche qui est plutôt simple à réaliser. Par contre les bloc-notes c'est ce qui me prend vraiment beaucoup de temps à réaliser, donc j'aimerais bien vraiment avancer là-dessus. Et les carnets ça prend un peu de temps mais ça va plutôt vite je trouve, donc je pense que je peux vraiment parvenir à faire pas mal de carnets en peu de temps. Et par contre ouais, c'est vraiment les bloc-notes qui me prennent du temps. Donc bref, aujourd'hui j'aimerais bien avancer dans mes carnets et dans mes bloc-notes et voilà. Voilà, je suis trop contente du résultat pour l'instant de mes créations. Je me rends vraiment compte que je gagne en expérience et que je gagne en professionnalisme ou en maîtrise de l'organisation de projets, on va dire. Les bloc-notes je les trouve vraiment superbes. Et voilà, je suis vraiment contente du résultat que ça donne. Les carnets, je suis trop contente du résultat aussi parce que j'ai choisi un papier à croquis spécialement fait pour les croquis. En fait, c'est un papier à grains fins qui est pas tout à fait blanc, il est un peu ivoire. Je vais vous montrer, je sais pas, j'espère que vous pourrez voir à la caméra, mais je trouve que ça rend hyper bien, les feuilles elles sont trop belles et moi c'est vraiment ce que je préfère pour dessiner, pour faire des croquis et tout, c'est vraiment le papier que je préfère, donc j'ai décidé de l'utiliser pour mes carnets et je suis trop contente du résultat. Franchement je voulais vraiment avoir un bon papier pour que vous puissiez vraiment dessiner de manière vraiment agréable. Donc bah, je vais vous montrer un peu le papier, j'espère que vous pourrez le voir à la caméra. Donc voici les carnets, vous les avez déjà vus sauf que maintenant ils sont un petit peu optimisés puisque j'ai décidé d'opter pour un papier qui me plaît vraiment. Et puis j'ai aussi ajouté des agrafes pour faire en sorte que toutes les feuilles soient bien attachées entre elles. Donc voilà, en fait au milieu du carnet il y a, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, il y a les agrafes pour faire en sorte que les feuilles soient bien attachées les unes aux autres. Puis par dessus j'ai ajouté la petite corde de jute on va dire, parce que j'aimerais vraiment bien ce style, ça donne un petit côté champêtre. Et alors pour le papier, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, bon vous voyez qu'il n'est pas tout à fait blanc puisque là c'est la couverture qui est vraiment blanche et là c'est le papier.
Et je sais pas si vous allez voir la texture du papier, c'est vraiment difficile à la caméra de montrer. Bon, là c'est le papier de la couverture qui est blanc et qui est pas vraiment texturé. Et là, on a le papier à croquis qui, je pense, vous le voyez, est un peu granuleux. Bon, c'est du grain fin, hein, je vous ai déjà dit, mais voilà, il a plutôt une couleur ivoire. Et j'adore ce papier. Donc bref, je suis trop contente de l'avoir utilisé pour les carnets. Et voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Franchement, depuis mes premiers essais, je suis vraiment arrivée à une version du carnet qui est trop bien. Et ça me donne vraiment envie d'en refaire d'autres, du coup, de proposer ça régulièrement sur ma boutique des carnets. Parce que en fait, j'y suis vraiment bien arrivée. Enfin, je suis arrivée à un bon résultat, franchement, que moi j'adore. J'ai trop hâte d'utiliser le mien, d'ailleurs. Donc voilà est prévu pour aujourd'hui et voilà. Je vous ai montré quelques plans hier du moment où j'étais en train de créer cette illustration. Je sais pas si certains d'entre vous l'auront reconnu, je pense que probablement, surtout que au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà publié l'illustration sur Instagram. Mais en fait, j'ai décidé de me faire un petit exercice parce que je suis en train de préparer l'enveloppe patron du mois de mars et j'aimerais bien y inclure cette illustration. Et du coup, j'avais en tête de me faire un petit exercice et de reproduire une illustration que j'avais déjà faite, que j'avais créée il y a quelques mois de cela, et de la recréer avec, avec mon style d'aujourd'hui, avec où j'en suis aujourd'hui, même si j'ai bien conscience que rien n'est linéaire et que aujourd'hui j'ai créé ça, mais que demain je pourrais créer la même illustration totalement différemment. J'ai eu envie de me prêter à l'exercice et de recréer cette illustration que j'aimais beaucoup. Donc je vais vous montrer la première version, normalement vous en rappellerez peut-être si vous me suivez depuis ce moment-là. Donc c'était cette illustration que j'avais réalisée au mois d'août dernier. Je l'avais réalisée dans le train, donc c'était un exercice aussi un peu marrant à ce moment-là parce que j'avais été très inspirée par le paysage qui défilait dans le train dans lequel j'étais. En fait, c'était à peu près ce décor-là. Et du coup, j'avais eu envie de profiter de ce paysage dans le train et d'immortaliser ces images. Et j'avais créé cette illustration. Et c'est une illustration que j'aime beaucoup. Dans l'idée, en tout cas dans mon souvenir, même si quand je vois cette illustration-ci, je suis pas très fan parce que mon style a beaucoup changé et que je me reconnais plus trop dans mes anciennes créations. Et du coup, vous l'avez vu, mais voici ma version d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quand même assez différent au niveau de la luminosité et tout ça, mais aujourd'hui, voilà ma version de cette illustration et j'ai trouvé ça trop marrant de me prêter à l'exercice et de me rendre compte en fait de à quel point le style évolue et à quel point nos traits évoluent, nos couleurs évoluent, nos lumières évoluent. Et c'était trop sympa à faire comme exercice. J'aimerais bien essayer de le faire sur d'autres de mes illustrations, notamment l'illustration Cuddling the Cat. Je pense que c'est la prochaine que je vais essayer de refaire parce que j'adore en fait ce concept. Et du coup voilà le résultat un peu, vous l'aurez probablement vu sur Instagram, mais j'aime beaucoup cette illustration. Et du coup je vais l'inclure dans l'enveloppe patron du mois de mars. Et je vais réfléchir encore à ce que je vais mettre à côté. Je pense que je vais créer un ou deux stickers ou alors un marque-page. Faut que je réfléchisse, vous verrez. Enfin, faut que je réfléchisse, oui c'est ça. C'est la bonne formulation. Vous verrez probablement dans la vidéo, en tout cas si vous voulez vous y abonner à cette enveloppe mensuelle. Vous pouvez le faire via mon Patreon, le lien sera dans la barre d'infos. Et je pense que vous verrez cette vidéo mercredi au plus tard. Donc ce sera probablement le dernier jour pour vous abonner si jamais vous voulez recevoir mes créations. Enfin bref. On verra ça plus tard dans la vidéo, mais voilà en tout cas, c'était trop cool comme exercice. Thank you.
terminé la pause repas, il est 13h48. Ce matin, j'ai réussi à faire les deux premières étapes de confection sur 10 carnets. Donc en gros, ça consiste à découper toutes les pages qui sont nécessaires pour un carnet, et ensuite les plier en deux, et ensuite les assembler toutes ensemble. Et donc là, cet après-midi, je pense que je vais pas avoir pour longtemps, ce qu'il faut que je fasse sur ces 10 carnets, c'est qu'il faut que je les agrafe et que je place la corde dessus. Donc normalement, ça devrait pas prendre trop de temps. C'est juste que c'est un peu une étape méticuleuse parce que les agrafes, faut vraiment bien les mettre précisément. Donc voilà, faut pas que je me précipite. Mais voilà, c'est bien, j'ai bien avancé. Donc je vais commencer mon après-midi par agrafer tout ça et corder tous ces carnets, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Alors, il est 14h48, donc ça m'a quand même pris une heure. J'ai l'impression d'avoir agrafé tous les carnets et de les avoir cordés avec ma petite corde de jute. Donc ça a quand même pris pas mal de temps. Mais bon, j'essaie de faire bien les choses, donc j'essaie de prendre mon temps au maximum. Donc là, ce qui est prévu pour cet après-midi, c'est que je vais travailler sur les bloc-notes. Il me reste encore 9 bloc-notes à faire et j'aimerais bien en faire le plus que possible aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, c'est la création qui me prend le plus de temps à faire, qui est la plus fastidieuse à créer et j'en ai vraiment fait beaucoup la semaine dernière mais j'ai fait une pause parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus de faire que des bloc-notes toutes les journées, enfin toute la journée. Donc là, je vais essayer aujourd'hui de m'y atteler comme ça, le plus que je peux faire aujourd'hui ce sera bien. Et après je pourrais préparer toutes les boîtes et tout, même s'il me reste encore 11 carnets à faire je crois. Là j'en ai fait 15 et comme il faut que je fasse 26 de chaque en tout, il me reste encore 11 carnets à faire. Mais là aujourd'hui j'en ai fait 10, donc je pense que ouais, je pourrais en faire 11 dans une journée, ça ira. Donc bref, là, objectif, bloc-notes. Et je vais pas filmer parce qu'il faut vraiment que je me concentre là-dessus à fond et je pourrais pas filmer, enfin je préfère ne pas filmer ça parce que sinon je vais avoir en tête de filmer et du coup je vais pas pouvoir avancer bien comme j'en ai envie. Donc bref, on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra, mais on se retrouve prochainement pour la suite de la des préparatifs de mes boîtes et puis voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, je vous reprends aujourd'hui en espérant qu'il y ait des choses un peu plus intéressantes à filmer. Voilà, je filme pas quand c'est pas intéressant et hier j'ai refait des choses que vous avez déjà vues en vidéo, donc c'est pas intéressant que de vous montrer, bref. Aujourd'hui je vais commencer la journée par aller chercher un colis dans un point relais. C'est un colis que j'attendais déjà mercredi, en fait je devais me le faire livrer chez moi mercredi. Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de me le livrer, du coup c'était reporté à jeudi.
Et hier, il y a marqué échec de livraison alors que j'étais chez moi et que personne ne m'a appelé. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive que genre j'ai une livraison à domicile de prévu et que en fait ils ne me livrent pas et qu'ils mettent mon truc en point relais. Donc c'est un peu con parce que je suis chez moi et il suffit juste de m'appeler pour que je me fasse livrer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais aller chercher mon colis ce matin au point relais. J'ai trop hâte de découvrir ce colis parce que je l'attends depuis longtemps. Et j'espère que ce qu'il y aura à l'intérieur, ça rendra trop bien parce que c'est une création. Bref, vous allez voir, je suis assez impatiente de l'ouvrir. En même temps, j'ai un peu peur parce que c'est un produit que j'ai créé. Enfin, c'est quelque chose que j'ai créé, mais j'ai pas eu le résultat devant mes yeux encore. J'ai juste eu le produit digital. Du coup, je sais pas trop à quoi ça va ressembler en vrai. Mais bref, c'est une collaboration que je vais faire, enfin que j'ai faite et que je vais pouvoir vous partager. Enfin bref, on va voir ça, j'ai trop hâte, j'espère que ça va être bien. Et puis voilà. Du coup, bah, je vais y aller sans plus tarder. Et on se retrouve tout à l'heure pour découvrir ce colis et le contenu de ce colis. Je suis bien de retour, j'ai bien pu récupérer mon colis, ça s'est fait très rapidement. Normalement c'est le dernier vlog que je filme avec cette caméra de rechange, on croise des doigts. J'ai pu faire réparer mon ancienne caméra qui était une très bonne caméra mais qui m'a... Je sais pas, elle a eu un problème en janvier et du coup j'ai... Enfin genre elle fonctionnait plus. Et du coup j'ai enfin pu aller la faire réparer, donc normalement je devrais la recevoir bientôt. Enfin, pouvoir aller la chercher bientôt. Donc normalement, si tout se passe bien, ce vlog, ce sera le dernier vlog filmé avec cette caméra. Et on retrouvera bientôt une bonne qualité de vidéo. J'attendais tellement de pouvoir retrouver ma caméra d'avant, quoi. Bref. Je suis très contente parce que vous aurez sûrement vu ou pas ce qui a marqué sur le colis. Il y a marqué « No issue ». No issue. No issue. No issue. Vous savez ce que c'est, no issue? C'est une marque que je pense que vous connaissez sûrement si vous suivez des illustrateurs et des illustratrices sur YouTube ou sur Instagram. C'est mon tour de pouvoir recevoir mon propre petit papier personnalisé pour préparer les commandes. Et voilà, c'est un peu un accomplissement personnel parce que depuis le temps que je vois cette marque d'emballage personnalisé et tout sur les réseaux, je vous avoue que c'était un peu un petit rêve que de pouvoir un jour avoir mon propre papier personnalisé pour mes commandes. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que là c'est une collaboration, donc j'ai été contactée pour, à part la marque, pour créer mon propre papier personnalisé. Et du coup c'est encore plus gratifiant et encore plus ouf pour moi de me dire que ça y est quoi, je suis en train de vivre ça et que mon tour est venu. Et voilà, c'est un petit accomplissement personnel dont je suis trop contente. C'était une chose dont je rêvais au tout début de mon activité. Je me disais, ah, imagine un jour si tu pourrais faire ton propre papier personnalisé pour ta commande et tout, à quel point ce serait trop cool de pouvoir... Voilà, c'est des petits trucs comme ça, enfin c'est un petit truc, non, c'est un grand truc pour moi. Je suis trop contente, j'espère vraiment que le papier va me plaire et que le résultat sera bien. Oh là là, j'adore. Je suis tellement contente. Voici donc mon papier customisé, personnalisé pour emballer vos commandes. Je suis trop contente du résultat. Vous reconnaisserez sûrement le motif puisqu'il s'agit du motif de mon carnet que j'ai créé il y a peu de temps. C'est trop bien, je suis trop contente. Faire une petite comparaison ici, il y a le motif que j'ai utilisé pour mes carnets.
et le même motif que j'ai utilisé pour mon papier du coup. Et là, il y a trop de luminosité. J'ai l'impression qu'on se rend pas trop compte des couleurs à la caméra, mais voilà, j'adore, je suis trop contente. Et alors là, je peux vous dire que j'en ai une quantité. Je pense que je suis pas prête de terminer tout ça. J'ai trop hâte de pouvoir emballer vos commandes avec ce papier. Ça a l'air vraiment d'être une bonne qualité. J'ai vu qu'en fait, le papier où on utilise deux couleurs est un peu plus épais que le papier où on n'utilise qu'une couleur. Donc lui, il a l'air vraiment bien pour les commandes. Ni trop fin, ni trop épais. J'ai hâte de faire un premier essai d'emballage de commandes avec... avec ce papier, oh là là, j'adore, je suis trop contente. Merci à Noichu pour m'avoir proposé cette collaboration. J'ai trop hâte de pouvoir faire un essai avec mes commandes et de prendre des photos avec. Et voilà, c'est vraiment un accomplissement personnel et je suis trop contente d'avoir eu cette opportunité et d'avoir ce beau papier pour ma boutique, quoi. Mon imprimante est actuellement en train d'imprimer les trois derniers blocs-notes qu'il me reste à faire. Voilà, il ne me reste plus que trois blocs-notes à faire. J'aimerais les faire aujourd'hui. Ensuite, j'en aurai terminé avec les blocs-notes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que j'en fasse plus que trois. Et là, c'est le moment du mois où il faut que je partage l'enveloppe patron du mois en question, donc là du mois de mars. Hier, je vous ai pas montré, mais j'ai créé 4 nouveaux stickers du coup pour cette enveloppe mensuelle. Et du coup, je teste d'ailleurs un nouveau papier à stickers, qui est un papier Online Labels. C'est une marque auprès de laquelle je me fournis toujours mes papiers à stickers. D'habitude, je prends le matte weatherproof, et là, j'ai décidé de tester le gloss weatherproof. Donc, c'est pas matte, c'est glossy. Et je l'aime beaucoup ce papier, donc à présent... tous mes stickers seront imprimés sur ce papier-ci, gloss weatherproof, je sais pas si vous allez le voir. Il faut encore que je trouve le bon réglage pour les découper avec ma machine Cricut. Là, les découpées sont pas parfaites, mais c'était juste un premier essai hier pour prendre mes photos pour l'enveloppe patron du mois et pour poster tout ça sur Instagram. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'essayer de créer un petit décor sympa qui peut être sympa pour prendre des photos et pour partager mes créations. Donc voilà, là j'ai mis, en gros, dans cette enveloppe mensuelle, il y aura une illustration au format A4. C'est la nouvelle version de mon illustration que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Et il y aura 4 stickers que j'ai créés du coup hier et que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien dans le mood de l'illustration et tout. Et je voulais vraiment faire un petit truc cohérent dans l'ensemble. Donc voilà, là j'ai pris des photos. Je pense que j'ai réussi à obtenir de bonnes photos. Et j'aimerais bien cet après-midi vers 17h poster sur Instagram cette enveloppe mensuelle pour que les personnes qui le souhaitent puissent la recevoir en s'abonnant à mon Patreon pour le mois de mars du coup. Donc voilà, ça, si jamais ça vous intéresse de recevoir tous les mois une enveloppe avec des créations exclusives et inédites à cet abonnement, c'est-à-dire que je ne les mets pas sur ma boutique ou alors je les mets mais beaucoup plus tard. Voilà, j'essaie vraiment de plus en plus de créer des créations vraiment juste pour mon Patreon. Du coup, ça fait un petit peu comme une petite commande mensuelle que tu as tous les mois dans ta boîte aux lettres et une petite commande surprise et en même temps une petite commande exclusive puisque c'est des choses que je vends pas sur ma boutique. Donc voilà, j'aime vraiment cette enveloppe mensuelle. Je crois que c'est l'enveloppe que je préfère depuis mes débuts. C'est l'enveloppe dont je suis la plus fière. Donc voilà, j'ai choisi 2 photos, celle-ci. Et celle-ci, je vais peut-être ajouter des petites illustrations par-dessus, on va voir, ou pas. Mais je suis contente parce que j'ai mes 2 photos, donc c'est cool. Thank you.
14h54. Oui, il faudrait que je change de portable un jour. C'est clairement pas ma priorité, mais bref, on s'en fout. Alors, j'ai bien avancé. J'ai découpé toutes les feuilles de mes trois bloc-notes qui me restent à faire. Ensuite, il faut encore que je découpe les feuilles 5 à 5. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, je prends 5 feuilles et je les coupe pour être sûre qu'elles font approximativement la même taille. Parce que c'est plus simple après pour les coller. Parce que généralement, Donc, il faut encore que je les coupe toutes 5 à 5. Et ensuite, je pourrai coller les bloc-notes. Et ce sera bien, on aura terminé pour les bloc-notes. J'ai imprimé toutes les couvertures des carnets qui me restent à faire. Donc les carnets, je les ferai une fois avoir terminé les bloc-notes, donc tout à l'heure. J'ai imprimé toutes mes illustrations, donc il faudra que je les découpe. Donc voilà, ça c'est mon imprimante qui travaille à côté de moi, qui travaille. C'est pratique d'avoir une imprimante qui peut imprimer ce genre de choses. De toute manière, moi je peux pas imprimer des choses, je suis une humaine, bref. Donc toutes mes illustrations sont imprimées, il faudra que je les découpe toutes. Pochettes sont imprimées, là il y a mon petit papier que j'aime trop. Je sais trop comment je vais l'utiliser pour mes boîtes du coup. Voilà, là j'ai fait un premier essai d'impression pour mes marque-pages. Les deux côtés du coup. Donc là je vais les couper. Et si c'est bon, si tout est ok, je vais lancer les impressions des marque-pages. Et après il faudra que je les coupe quand j'aurai le temps. Aujourd'hui je veux vraiment me concentrer principalement sur les bloc-notes et les carnets. Et avoir terminé avec les bloc-notes et les carnets. Comme ça j'aurai plus qu'à tout découper demain. Et ensuite je pourrai tout mettre dans les boîtes. Et ce sera bon pour les boîtes à papeterie. J'ai trop hâte de préparer les boîtes en fait et de mettre toutes les créations à l'intérieur. Avec mon nouveau papier d'emballage, je pense que ça va être super. J'ai trop hâte de voir le résultat de tout ça et d'envoyer toutes les boîtes. Et voilà, je suis très contente. J'avance plutôt bien et il est assez tôt. Donc là, on peut voir tous les bloc-notes que j'ai fait jusque-là. C'est des bloc-notes de 40 pages. Donc ils sont pas si épais que ça. Mais voilà. Bon, ils sont pas très bien alignés, mais comme ça, ça vous permet de voir où j'en suis. Les carnets que j'ai fait l'autre jour. Et après, voilà, il faudra que je mette des petites bandes comme ça que j'avais créées. Il faudrait que j'en mette sur tous les bloc-notes et sur tous les carnets. Puis bref, ça, ce sera tout ce qui est préparation des boîtes une fois que tout sera terminé. Donc j'ai hâte qu'on puisse passer à ça, mais c'est prometteur, on avance bien. Bienvenue dans samedi 27 mars, je crois. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi, mais j'ai prévu de travailler parce que j'en ai envie, tout simplement. Hier, j'ai commencé à utiliser l'application Notion dont on entend parler depuis pas mal de temps déjà. J'avoue qu'au départ je m'y intéressais pas du tout, je sais pas, j'ai l'impression que c'était une interface compliquée à comprendre et je savais pas si ça allait me plaire vraiment d'avoir un outil pour organiser un petit peu mon travail et ma vie. Et je sais pas pourquoi hier ça a fait tilt dans ma tête parce qu'on en avait parlé la veille au soir. J'avais du mal à m'endormir parce que j'avais trop de choses dans la tête comme d'habitude. Voilà, j'arrêtais pas de penser à tout ce qu'il fallait que je fasse.
dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et j'essayais dans ma tête de voir quand est-ce que je pourrais me poser pour pouvoir réfléchir à mon Patreon, notamment parce que j'aimerais bien faire quelques modifications sur ma page Patreon pour rester sur de choses. Et du coup, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais beaucoup de choses en tête. Et hier, ça a fait tilt. J'ai repensé à l'application Notion dont on entend vraiment beaucoup parler. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaie de l'utiliser. Donc j'ai téléchargé l'application. Voilà, il va falloir que j'apprenne à l'utiliser, à comprendre comment ça fonctionne et tout. Mais je sens que je vais vraiment adorer cette application et que ça va vraiment changer ma vie. Là, j'ai déjà organisé ma semaine prochaine. J'ai pu balancer tout ce que j'avais dans la tête pour des tâches que je dois faire, des projets, des idées que j'ai. Et voilà, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Pour l'instant, mon interface, elle n'est pas très belle. Franchement, c'est juste pour l'instant la partie organisation que j'ai commencé à faire. Dans le sens où j'ai créé une page où je peux vraiment jeter tout ce que j'ai dans la tête. Et une fois que voilà, c'est écrit là-dessus, après je pourrais réorganiser tout ça ou y revenir pour le moment où je serai prête à donner une chance à cette idée. Ou voilà. Donc bref, c'est vrai que moi j'ai garde tout le temps tout dans ma tête. En vrai, vous le savez sûrement, j'en parle souvent, que je m'organise, enfin j'organise tout dans ma tête. Ce qui peut être assez fatigant et stressant de tout garder constamment dans sa tête, parce que même si tu n'y penses pas activement, c'est toujours en arrière-plan de ta pensée. Et ça fait que souvent j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai trop de choses dans la tête. Et au-delà de ça, je pense que je perds pas mal de temps dans mon quotidien parce que je n'ai pas un emploi du temps clair. Et j'essaie souvent de noter sur mon journal un emploi du temps, ce que j'aimerais faire ce jour-ci, etc., etc. Mais moi j'ai tendance à m'impatienter à l'écrit. Voilà, j'essaie vraiment de... Enfin, je tiens un journal que je prends de temps à autre quand j'ai envie d'y écrire quelque chose. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tendance à écrire de longues phrases ou même... Enfin bref, j'ai tendance vraiment à m'impatienter quand j'écris des choses à l'écrit. Et du coup, quand ça tient à l'organisation, j'en ai vraiment vite marre parce que ça prend trop de temps à écrire. Je pense que j'écris peut-être lentement. Et bref, ça m'impatiente parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Je trouve que ça prend beaucoup trop de temps et que c'est pas pratique parce que sur le papier, bah, tu peux pas bouger les choses dans différentes catégories et tout. Une fois que c'est noté sur papier, tu peux plus bouger les choses. Alors que sur une interface digitale, tu peux copier-coller, tu peux effacer, tu peux mettre un truc dans une autre catégorie, trier et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, voilà, c'est trop bien pour l'instant. J'ai trop hâte d'organiser pas mal de choses là-dessus, même pour des trucs personnels en fait, genre s'occuper de l'appartement, des idées qu'on aimerait faire dans notre vie de famille, des projets personnels qu'on a dans notre appartement, enfin bref, pas mal de choses comme ça que j'ai vraiment envie d'organiser et tout, et c'est trop bien d'avoir un endroit centralisé pour ça, et d'avoir ça numériquement, digitalement, parce que du coup ça permet vraiment de... C'est toujours un work in progress, dans le sens où tu peux vraiment y revenir, organiser les choses. Et du coup, c'est trop bien de me dire que je vais pouvoir poser tout ce que j'ai dans la tête là-dedans. Et qu'après, au fur et à mesure, je vais pouvoir me former des emplois du temps, des plannings et tout. Enfin bref, je suis trop contente. On va voir ce que ça va donner si je parviens à travailler sur cette application ou pas. Mais honnêtement, je pense que ça va changer ma vie. Donc voilà, c'est trop cool. J'ai mis mon t-shirt champignon que j'aime trop. Il est trop beau. Je trouve qu'il va bien avec ce pantalon. Bref, très heureuse. Il vient de chez Minga London. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, au programme, il va falloir que je m'occupe de couper. Donc, tous les marque-pages que j'ai... En fait, j'ai tout imprimé hier. Donc là, il y a les premiers marque-pages qu'il faut que je coupe, c'est recto verso. Le deuxième marque-page qu'il faut que je coupe aussi. Là, ce sont des cartes, des petites cartes de remerciement que je mettrai dans chaque boîte qu'il faut que je découpe aussi. Donc bref, aujourd'hui, ça va être une journée de découpe. Découpe de toutes les illustrations, j'en ai pas mal. Donc voilà, ça fait découpe, illustration, marque-page, carte de remerciement.
Et ensuite, il va falloir que je découpe toutes mes banderoles que je vais utiliser pour emballer mes marque-pages, pour emballer mes carnets et pour emballer mes bloc-notes. Donc, pas mal de boulot de découpe à faire. J'aimerais aussi préparer des découpes de mes feuilles pour emballer, pour pouvoir les mettre dans mes boîtes. Donc voilà, il va falloir que je les découpe de la bonne dimension pour pouvoir les mettre dans chaque boîte. Là, il y a tous mes carnets. Il faut que j'en fasse encore un. Hier, j'en ai oublié un. J'étais trop contente d'arriver au dernier. Et après, je me suis rendu compte que j'avais oublié un carnet. Donc bref, aujourd'hui, j'aimerais bien en faire, enfin, faire le dernier carnet du coup. Là, il y a tous mes bloc-notes normalement. J'espère que c'est bon. J'espère que j'en ai pas oublié. Au pire, je verrai ça sur le moment. Mais voilà, aujourd'hui, journée des coupes de prévues. Et ensuite, on a ce gros truc énorme. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est toutes mes boîtes que je n'ai pas encore déballées. Et donc voilà, là, elles sont toutes pliées. Non, elles sont pas pliées. Elles sont toutes dépliées. Donc faudrait aussi, j'aimerais bien, on va voir si je peux m'en occuper aujourd'hui. J'aimerais bien déballer tout ça et plier chaque boîte et les empiler, etc. Pour commencer à pouvoir tout ranger dans chaque boîte, etc. Donc là, on touche vraiment à la fin. J'ai trop hâte de préparer chaque boîte. Ça va être trop bien. That comes and they actually prepare food for homeless people and they bring that out to them. Then we have these really beautiful ceilings that I love. I just, especially when it rains, and sometimes the cat will jump. So most of the time it's pretty quiet. And what I really love as well is like the color of these cabinets down here. There's actually a ton of storage in the studios. Or as you can see, I have like my piano and like all of my recording. Well, not really set up, just like sitting there. Bonjour, 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 bon début de semaine à vous. On est lundi, donc voilà, le week-end est déjà terminé. Aujourd'hui, si tout se passe bien, je devrais terminer mes boîtes à papeterie. Donc voilà, j'arrive vraiment à la dernière ligne droite, c'est-à-dire au moment où je vais pouvoir préparer toutes les boîtes. Et puis je vais pouvoir ensuite acheter les timbres déjà, ce qui est quelque chose à prendre en compte puisque c'est quand même une somme assez importante. Acheter tous les timbres, imprimer tous les timbres, coller tous les timbres sur chaque boîte, les adresses postales sur chaque boîte. Voilà, être sûr que tout soit bien mis dans toutes les boîtes et puis ensuite tout fermer et puis ensuite tout déposer. Au bureau de poste, je ne sais pas si j'irai déposer les boîtes aujourd'hui ou demain, on verra en fonction de comment ça se passe aujourd'hui, de ce que j'arrive à faire, mais bon, honnêtement, je pense que je vais terminer aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool d'arriver au moment de préparation des boîtes. Voilà, j'ai trop hâte, j'attendais ce moment depuis longtemps de pouvoir placer chaque produit, chaque création dans chaque boîte et tout, essayer de faire un truc mignon. C'est vraiment satisfaisant d'arriver à ce moment-là du projet où toutes mes créations sont prêtes
et j'ai plus qu'à tout disposer dans chaque boîte et tout, c'est assez gratifiant. Je suis vraiment contente de la manière dont s'est passé ce projet. Vraiment j'ai l'impression que j'ai eu une très bonne organisation et que j'ai bien réussi à gérer la quantité de travail que j'avais à faire. Et ouais, franchement, tout s'est vraiment bien passé. C'était pas du tout chaotique, donc c'est vraiment bien. Parce que quand j'avais fait mes calendriers de l'avance, c'était vraiment chaotique. Mais là, c'était comme une lettre à la poste. Tout s'est fait parfaitement bien, dans un rythme vivable. Et voilà, je ne me suis pas surmenée. J'ai vraiment essayé d'écouter, de m'écouter et de faire d'avoir un rythme de travail sain. Et voilà, donc je suis contente parce que je suis plus dans les temps. Et voilà, donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'il faut que je place toutes mes petites banderoles. Donc là, vous ne savez pas forcément voir. Toutes mes petites banderoles sur toutes mes créations, parce que c'est un petit côté un peu packaging que j'ai décidé de faire pour cette boîte. Parce que c'est sympa aussi parfois de créer un petit peu du matériel d'emballage pour ces créations. Ça rajoute quelque chose. Donc là j'avais vraiment envie de le faire, donc voilà, il faut que je prépare toutes mes créations, que j'emballe toutes mes créations, que je dispose tout dans chaque boîte, voilà, que j'essaie de faire quelque chose de sympa. Ensuite il faut que j'achète les timbres, que j'imprime les timbres, que je découpe les timbres et que je colle les timbres sur toutes les boîtes, que je colle toutes les adresses sur toutes les boîtes. Et puis une fois que tout sera rempli, tout sera bien mis en place, je pourrai fermer chaque boîte. Et puis normalement après il suffira plus que d'aller les expédier au bureau de poste. Donc voilà, c'est la partie finale et c'est cool, je suis très contente. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je vais faire. Je prends ma caméra, ce sera plus simple. Donc là j'ai ma petite station de travail. Ce qui est prévu, c'est que sur chaque bloc-notes, je mette cette petite banderole comme je vous ai dit. Là j'en ai fait 3 pour l'instant, c'était juste pour vous montrer un peu. Hop, donc voilà ce qui est prévu là pour l'instant. Première étape, mettre chaque banderole sur chaque bloc-notes. Ensuite il faudra que je fasse la même chose sur mes carnets avec mes banderoles qui sont là. Voilà, ça ce sera mes banderoles pour les carnets. Et après il faudra que je fasse la même chose sur les lots de marque-pages avec ces petites banderoles, c'est trop mignon. Puis ensuite il faudra que j'emballe les illustrations et puis normalement on sera bon, marque-pages, illustrations, bloc-notes, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, ouais c'est ça les carnets. Donc voilà ce qui est prêt pour ce matin. Il faudra aussi que je plie toutes les boîtes parce que pour l'instant elles sont aplaties, mais ça je le ferai après. Donc voilà un petit peu pour l'instant ce que je fais. Je fais actuellement une petite pause dans la préparation des boîtes pour faire une petite mise en scène et essayer de prendre des photos de mon papier no issue. puisque comme c'est une collaboration, je dois préparer un post sur Instagram et du coup c'est ce que je suis en train de faire. Je profite qu'il y ait la lumière du soleil pour prendre des photos parce que je trouve que ça rend trop bien.
Donc voilà, je me suis fait un petit décor avec des objets que j'aime bien. Puis voilà, il faut vraiment que le papier soit au centre de la photo. Donc j'ai essayé de faire quelques petites photos avec mon iPad. Et voilà, j'espère que ça leur plaira. Et que moi je trouve que ça rend bien. Mais bref, j'adore ce papier, il est trop beau. Et du coup voilà, c'est le papier que je vais utiliser pour mes boîtes à papeterie. Je vais tout emballer dedans. Voilà, comme ceci, là il y a toutes les créations qui sont dedans. Et par-dessus, je vais mettre ma petite carte que j'ai emballée. Et peut-être la mettre comme ça là, hop. Et puis ensuite, je glisse tout ça dans la boîte. Et puis voilà quoi, on est bon. Là, il est 18h23. J'ai vraiment bien avancé dans les boîtes. Elles sont toutes prêtes, toutes emballées. Donc, c'est bien. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de coller toutes les adresses sur chaque boîte. J'ai acheté les timbres. Je ne les ai pas encore découpés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais découper chaque timbre. Et puis, je vais mettre chaque timbre sur chaque boîte en essayant de faire attention à ce que les timbres correspondent aux différentes adresses. Donc c'est toujours un petit peu... c'est pas le moment le plus fun de ce genre de projet, mais il faut faire attention parce que tous les timbres ne correspondent pas aux mêmes adresses. Donc il faut que je me concentre. Et ensuite, une fois que j'aurai collé tous les timbres sur chaque boîte, il va falloir que je rentre tous les numéros de suivi sur chaque commande pour que mes clients et mes clientes aient leur numéro de suivi et puissent suivre leur boîte. Donc voilà, et normalement après ça, j'aurai vraiment terminé et j'aurai plus qu'à aller à la poste déposer tout ça. Je vous avoue que je stresse un peu par rapport à ça parce que je l'ai fait qu'une fois, déposer autant de boîtes dans un bureau de poste. C'était quand j'étais à la montagne en novembre, fin novembre. Et là, du coup, ça va être la deuxième fois que je vais aller à la poste avec autant de boîtes que je ne peux pas mettre dans une boîte aux lettres parce qu'elles sont trop grandes. Donc voilà, ça m'arrive d'avoir beaucoup de commandes, mais c'est moi qui les livre dans les boîtes aux lettres de la poste. Donc bref. Je ne me ramène pas à la poste avec 10 000 enveloppes. Généralement, c'est moi qui les mets dans les boîtes aux lettres.
de la poste. Je précise bien que je ne livre pas mes propres enveloppes chez mes clients. Mais voilà, donc là, je vais me ramener demain, je pense, avec toutes mes boîtes. Voilà, ça va être drôle. Mais ouais, c'est cool, j'arrive à la fin de mon projet et je suis très contente. Bon bref, je termine tout ça parce qu'il est quand même assez tard, 18h30. J'aimerais bien quand même terminer ma journée de travail là. Donc bref, je vais essayer de terminer. J'espère que d'ici une heure, j'aurai terminé, mais je pense que ça ira. Voilà. C'est sympa, je suis très contente. Je vais arrêter mon studio vlog ici. Je pense que ça aurait été un long studio vlog. Et je suis contente parce que pour l'instant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, actuellement on est lundi et j'ai commencé à faire du montage ce week-end et pour l'instant j'aime beaucoup ce que ça rend. Je me suis rendu compte que mon ancien logiciel de montage détériorait la qualité de mes vidéos, du coup j'ai changé de logiciel et j'aime beaucoup ce nouveau logiciel, c'est Adobe Premiere Pro. Donc c'est un peu compliqué comme interface, mais une fois qu'on apprend c'est vraiment bien et on peut faire beaucoup de choses et c'est trop bien parce que la qualité de mes vidéos n'est plus détériorée, donc normalement cette qualité de vidéo devrait être bien, donc j'espère que ce sera bien. Mais voilà, merci pour tout votre soutien, pour toutes vos commandes, pour tous vos messages. Je suis trop contente de faire ce que je fais et de pouvoir partager avec vous mon activité et mes créations. Voilà, je suis vraiment trop contente. Je pense pas que vous me voyez actuellement, mais bon, c'est pas grave. Bref. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et que vous profitez des températures qui se réchauffent. Et j'ai un truc qui me chatouille. Et que vous profitez du beau temps comme vous pouvez. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Maintenant que j'ai terminé les boîtes, j'espère pouvoir publier un peu plus fréquemment. Et puis, voilà. Merci pour tout. Plein de gros bisous et à plus tard. C'est vrai que c'est compliqué avec Polly qui est sur moi, mais on vous embrasse. Ouf.